Et on a reçu l'ambassadeur du château de Versailles. Malheureusement disparu, mais nous en avons une maquette qui est au grand Trianon. Il est très très bien connu. Hein. Et alors je vous parlais hier à suivi de la typologie de l'escalier à la française. Hein. Alors là on aboutit vraiment au 19e siècle. Hein. Cette somptuosité, l'escalier, et à comprendre que dans l'architecture c'est un monument. Collectifs d'artistes dans les années d'or, c'est ce que l'on appelait les UAM, Union des artistes modernes. Et par exemple, Anna Lescémas travaille avec le Verrier, le Barillet, travaille avec des sculpteurs, donc toujours la même équipe. Et donc, Ruhlmann, qui n'est pas architecte, lui travaille avec Patou. L'architecte Patou et avec un sculpteur qui s'appelle donc Bernard. Hein. Il réalise d'ailleurs l'atelier de Bernard et la frise représentant la danse. Mm-hmm. Je pense d'ailleurs à. Classique mais très très épuré. Vous voyez le pied bouche, regardez, je vois le socle si vous voulez, c'est un chapiteau de nous qui est stylisé. Donc on est loin de l'éthisme que l'on a vu dans le grand salon. Parce qu'il est mort sans avoir vu cette salle, ce n'est pas lui le décorateur. Et donc cette couleur rose nous rappelle aussi le Trianon, hein, le Trianon de marbre, le Trianon rose, et c'est aussi un hommage aux écuries détruites, aux écuries qui étaient de marbre rose. Et à ce propos, magnifique. Hein? Et puis les tableaux au-dessus des portes sont autant d'allusions à des religions, des épisodes de la mythologie sur le thème du sommeil. Magnifique. Hein? Et oui, on vous reprend. Merci, monde. Que Louis XIV, c'est un vieux coton, il est très très vieux. Et il a dit un jour, il nous faut de la jeunesse à Versailles. Et les artistes ont réagi au quart de tour. On chante partout. On appelle les marmousiers. Les marmousiers, les marmousiers. Toujours dit, monsieur, connaît mon discours par cœur. Avec Ludmila, qui est de la chambre de commerce et qui assure les visites aussi, on a quand même un doute sur la provenance de ces boiseries, parce que le château de Saint-Ouen a été construit pour une maîtresse de Louis XVIII au XIXe siècle. Hein. Donc ça ne peut pas venir du château de Saint-Ouen de la Pompadour. Comme la Pompadour a eu plusieurs résidences, hein, il se peut que ça provienne d'une des résidences de la Pompadour, mais ça ne provient pas du château de Saint-Ouen. Enfin bon, peu importe, on a de magnifiques boiseries, il y a vraiment une grande famille, ce sont des notables, des aristocrates, ils sont comtes, mais c'est une féodalité à la polonaise, hein. C'est-à-dire qu'encore au XIXe siècle, comme en Russie, hein, le servage